till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Alors bonjour à toutes et à tous. Ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo. Je suis en déplacement et j'ai pensé juste que ça serait intéressant de partager un peu cette vidéo avec vous. Alors, il y a eu souvent dans la vie qu'on a des regrets, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, durant ce voyage que je suis en train d'effectuer, il y a une idée qui m'est passée par la tête et j'ai voulu partager, n'est-ce pas, avec vous mes expériences en fait dans le milieu du trading. Excusez-moi. Et vous devez savoir qu'au début, j'ai fait une erreur très grave. L'erreur, c'est le fait que j'ai dit à mes entourages que je faisais du trading, bien étant pas, n'est-ce pas, profitable dans ce moment-là. Et j'aimerais que à travers cette vidéo, vous puissiez aussi apprendre beaucoup de choses. J'aimerais également que vous puissiez, n'est-ce pas, faire très attention pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que j'ai fait dans mes débuts. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait l'erreur de parler, n'est-ce pas, à mes entourages que je faisais du trading? Vous savez, il arrive souvent que lorsque vous commencez quelque chose de nouveau, vous voulez, n'est-ce pas, partager cette chose-là à vos entourages. Et c'est ce qui m'est passé dans la tête, par la tête, par l'esprit du moins. Et j'ai, n'est-ce pas, dit à ma famille, à mes amis et autres. Mais ils n'ont pas pris ça cela en bien. Tout simplement parce que pour le cliché que les gens ont, n'est-ce pas, des traders dans la ville où moi j'étais, en ce moment-là, c'était un peu difficile. Ok? Lorsque tu disais que tu étais trader, on te voyait, n'est-ce pas, déjà comme un anaqueur. Et un anaqueur, lorsque ça marchait et lorsque ça ne marchait pas, on te voyait comme un poulet, c'est-à-dire celui que le gourou. Celui par qui le gourou passe pour, n'est-ce pas, s'enrichir. Et pour eux, le trading, n'est-ce pas, n'était pas profitable. Donc, ça a été un peu difficile pour moi dans les débuts. Mais, après, n'est-ce pas, après avoir parlé à un certain moment avec eux, et que j'ai vu qu'ils ont commencé, n'est-ce pas, à être réticents, j'ai commencé à perdre mes amis et autres. Alors moi, je me suis créé, n'est-ce pas, mon monde à moi, c'est-à-dire un monde dans lequel moi seul je me comprenais. Voilà, donc je ne disais plus rien à quelqu'un d'autre. Et je me suis concentré, n'est-ce pas, pendant des mois et des mois à faire mon taf. Et lorsque ça commençait à payer, c'est là maintenant qu'ils ont voulu se rallier. Mais je vous dis, si c'était quelqu'un d'autre, peut-être à ma place, cette personne-là allait, n'est-ce pas, arrêter de faire le trading. Parce que ils ont été, n'est-ce pas, durs envers moi. Ils ont été très, très durs envers moi. Et vous le savez tous que lorsque vous faites ce genre de truc, c'est-à-dire le trading, et que les gens ne vous supportent pas et que vous avez, n'est-ce pas, des zones négatives autour de vous, c'est très difficile, n'est-ce pas,
de continuer, n'est-ce pas, sur ce lancer-là. Donc pour moi, ça a été, n'est-ce pas, très difficile. Et Dieu merci, j'ai pensé à la dernière minute de ne pas, n'est-ce pas, baisser les bras et de couper tout lien, n'est-ce pas, d'onde négative qui pourrait, n'est-ce pas, m'empêcher de faire ce que j'ai, n'est-ce pas, toujours aimé. Mais mon message à travers cette vidéo, ceux qui, n'est-ce pas, veulent commencer dans le monde du trading, c'est de ne pas, n'est-ce pas, dire aux gens qu'ils commencent, n'est-ce pas, du trading. Ils doivent, n'est-ce pas, commencer le taf seul. Et lorsqu'il y a un résultat, ils peuvent, n'est-ce pas, partager avec leur entourage. Donc c'est comme ça que ça doit normalement marcher. Et lorsque vous partagez les résultats, puisque c'est ce que les gens attendent, vous allez voir que ça sera plus facile d'être accepté. Mais lorsqu'il n'y a pas de résultats, c'est plus difficile de, n'est-ce pas, de pouvoir s'en sortir. Voilà, parce que comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, il faut faire très attention lorsque vous faites, n'est-ce pas, le trading, surtout dans le début. Les gens ne vont pas vous encourager. C'est rare de trouver des gens, n'est-ce pas, qui vont épouser l'idée que vous avez. Parce que aujourd'hui, les traders, surtout qui ne sont pas encore rentables, sont mal vus. Aujourd'hui, la société attend seulement des résultats. Donc, il faut essayer, n'est-ce pas, de se calmer, de faire son taf dans le secret et d'attendre que les choses viennent avec le temps. Alors, sur ce, c'est ce petit message que j'avais, n'est-ce pas, voulu partager avec vous aujourd'hui. Et n'oubliez surtout pas que sur ma chaîne YouTube, nous parlons que du trading, spécialement, plus précisément, du marché de l'or. Et chaque week-end, vous le savez, il y a l'analyse du marché de l'or. Et le mercredi, il y a des vidéos que je publie, n'est-ce pas, dans lesquelles je partage un peu mes idées sur les notions du trading. Et comme vous le savez, ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est une manière aussi également à vous, n'est-ce pas, de m'encourager en vous abonnant, en likant la vidéo et surtout en commentant les vidéos. Cela me fera, n'est-ce pas, plaisir. Et pour tous ceux qui veulent apprendre également du trading, comme je l'ai dit, vous pouvez commencer par le B.A.B.A., c'est-à-dire en regardant, n'est-ce pas, des vidéos concernant le trading. Et après, approfondir avec des cours, avec des cours que les gens proposent en ligne. Voilà, je ne vous dirai pas de venir directement vers moi parce que vous allez peut-être penser que c'est pour, n'est-ce pas, vendre mes cours que je vais faire des vidéos. Donc, si vous avez, n'est-ce pas, l'envie d'apprendre avec moi, comme je l'ai dit, il y a mon lien Telegram, vous pouvez, n'est-ce pas, vous connecter à travers moi, à travers ce lien-là. Et, n'est-ce pas, nous allons travailler ensemble. Et sur ce, j'aimerais, n'est-ce pas, vous souhaiter une bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec vous. Et surtout, n'oubliez pas, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière pour celui qui ne baisse pas les bras. Le trading, c'est l'avenir pour celui qui est au sérieux, celui qui prend, n'est-ce pas, le trading au sérieux. Ciao, et je vous souhaite une bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec vous. Et dorénavant, j'aimerais, n'est-ce pas, également vous faire savoir que dans ces temps-ci, je suis un peu souffrant, et cela
ça se voit à travers mes lèvres. Voilà, j'ai un peu les lèvres coupées. Voilà, et ça, cela est dû un peu à la fatigue et également à l'allergie que j'ai dans ces temps-ci, parce que lorsque le temps change, j'ai du mal, n'est-ce pas, à respirer, et cela se sent à travers ma voix. Donc, je suis sûr que je vous souhaite une bonne journée. Ciao.